Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter deux glitches sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif sur Fortnite et ensuite il faudra interagir avec ce pad pour noter le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0. Ensuite vous mettez point d'interrogation V égale 80. C'est très important, il faut choisir cette version de la map pour réaliser ce glitch. Sinon c'est possible que le glitch ne sera pas disponible sur les autres versions. Donc voilà, notez bien le même code que moi j'ai mis, que j'ai noté dans le pad. Et pour information, les codes seront bien sûr en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc quand vous avez rentré le code, vous attendez tout simplement que la map se charge. Quand la map est chargée, ben, vous rentrez dans la map. Là, le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Si vous voulez me soutenir, ben, vous appuyez sur triangle. Vous mettez le code SCM en majuscule ou en minuscule. Donc, bien entendu, ce n'est pas obligatoire, mais merci à tous ceux qui le font. Ça soutient à mort la chaîne. Alors ensuite, quand vous avez noté le code, vous appuyez sur carré pour lancer le jeu. Et là, il va falloir faire exactement ce que je vais vous montrer pour que le glitch fonctionne. Donc ici, près à côté de la cabine téléphonique, vous avez le mode spectateur et vous allez tout simplement construire 10 rampes, donc 10 escaliers, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà comme ceci. Ensuite vous créez un sol et là sur la gauche vous allez recréer 10 rampes, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, vous créez un sol. Et là, normalement, il devrait y avoir un bouton interagir. Donc, effectivement, il y a le bouton interagir. Donc, vous interagissez avec ce bouton. Donc, en appuyant sur carré. Ensuite, vous allez de l'autre côté. Donc, vous continuez votre chemin. Et normalement, il devrait y avoir des boutons qui vont apparaître. Voilà, exactement. Donc, on va recréer un sol pour pas tomber. Ok, donc il y a 1... 2, 3, 4, 5, 5 boutons comme d'habitude. Hop, on va créer un sol là aussi. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appuyer sur les boutons. Alors, la personne qui fait ce glitch en une seconde gagne 50 000 XP en une seconde. Donc, je ne sais pas combien d'XP je vais gagner. Mais voilà, c'est complètement aléatoire. Vous pouvez gagner 50 000 XP, comme 150 000 XP, comme 100 000 XP, comme beaucoup moins d'XP. Donc, si bien entendu, vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, bah, il faudra essayer un autre glitch. Donc là, je vais tester et on va voir combien je gagne. Donc, hop. Donc, 9 000. 30 000, voilà, ben moi je gagne 30 000 en une seconde, donc c'est plutôt pas mal. L'autre personne que je regarde la vidéo, donc la personne qui me présente le glitch, eh ben lui il gagnait 50 000 XP, 58 000 exactement. Donc voilà, il gagnait un peu plus que moi, mais bon, 30 000 c'est pas négligeable. Donc ce que vous faites, si vous voulez farmer ce glitch, ben vous retournez à l'accueil, et ensuite ben, vous allez retourner dans la map tout simplement. Donc là je vais retourner dans la map, et je vais refaire le glitch en illimité pour gagner ben, des XP en illimité. Donc hop, on relance la partie. Donc bien entendu c'est possible que je gagne de moins en moins d'XP, mais bon c'est un petit glitch qui peut vous servir, surtout si vous gagnez 150 000 XP. Ça peut vous servir à monter quand même pas mal de paliers très facilement et très rapidement. Donc là, on recrée 10 rampes. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, voilà. Ensuite, on crée un sol et on recrée 10 rampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Ensuite, on crée le sol. On appuie sur le petit bouton interagir et on va réappuyer sur le bouton. Donc hop. Combien je vais gagner cette fois-ci? Donc je gagne 14 000. Donc j'ai gagné la moitié de ce que j'ai gagné tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pris 35 000 XP en très... non, j'ai déjà pris 30 000, donc plus 15 000. Ouais, j'ai pris 45 minutes en l'espace de 1 ou 2 minutes. Donc voilà, c'était très rapide. Vous, c'est possible que vous gagnez plus d'XP que moi, voire moins. Donc ça dépend, il faut tester, c'est complètement aléatoire. Donc voilà, là je vais vous montrer un deuxième glitch. Donc hop, on va retourner à l'accueil. Donc soit vous continuez ce glitch, mais là moi est-ce que je vais ou vous faites le deuxième glitch que je vais vous présenter, mais moi je vais vous montrer le deuxième.
Donc là, j'ai pris du pad et je dois noter le code qui est 4, 7, 1, 8, 2, 2, 5, 4, 2, 8, 1, 3. Ensuite, vous mettez point d'interrogation V égale. Et là, vous choisissez la version 53. Donc voilà, vous écrivez bien le même code que moi, sinon ça ne risque de ne pas marcher si vous êtes sur une autre version. Donc là, vous attendez que l'île se charge. En attendant que l'île se charge, ce que vous pouvez faire, c'est liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font et n'hésitez pas à commenter pour le référencement. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Alors ensuite, on rejoint la map. Donc là aussi, ils vont vous proposer de soutenir un créateur. Donc comme d'habitude, vous pouvez mettre le code SM en majuscule ou en minuscule pour soutenir la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Et ensuite, ben, vous appuyez sur option et vous allez lancer le jeu. Donc quand le jeu se lance, vous allez déjà aller chercher des armes. Donc moi, je prends toujours le pistolet laser de Kimera. Donc je vais laisser tomber mon grappin parce que c'est un peu gênant parfois. Hop. Et là, je vais faire le plein de pistolets de Chimera pour en avoir 5 stocks. Hop. Ok, je ne peux pas le ramasser, je ne sais pas pourquoi. Ok, encore un. Voilà, parfait. Donc, quand vous avez 5 pistolets laser de Chimera, vous allez près de la cabine téléphonique et vous allez construire comme moi, je vais vous le montrer. Donc, vous construisez devant la cabine téléphonique comme ceci. Voilà, du côté gauche de la cabine. Vous construisez et là, vous allez construire 10 rampes. Donc, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, vous créez 4 plats. 1, 2, 3, 4 plats. Et là, vous avez vu sur la deuxième plaque, donc le deuxième sol, quand je passe, mon personnage a une lueur bleue autour de lui. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est tout simplement danser deux fois. Donc, vous faites deux fois une émote. Donc, une fois. Ensuite, vous arrêtez l'émote. Hop. Et vous refaites une deuxième émote. Donc, voilà. Quand vous avez fait les deux émotes, normalement, ici à droite, il devrait y avoir un bouton. Interagir comme vous le voyez. Donc là, vous appuyez sur le bouton interagir de droite. Et là, normalement, quand vous allez tirer sur la gauche, donc normalement, si je tire là, ça fonctionne. Non, là, ça fonctionne pas. Donc ici, je peux pas tirer. Là, là, ça fonctionne. Là, là, ça fonctionne. On va remettre un plat ici. Là, ça ne fonctionne pas. Donc le plat ici, ça ne sert à rien. Je vais juste regarder si je tire comme ça là. Ça ne fonctionne pas. Donc en fait, il faut tirer sur la troisième, deuxième plateforme, la troisième et quatrième plateforme. Et je pense que vous pouvez tirer aussi en diagonale sur la deuxième plateforme. Donc, on va voir. Oui, effectivement. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer sur les trois plateformes comme ceci. Hop, hop, hop. Et là, normalement, ça devrait vous donner des XP. Alors, la personne qui fait ce glitch, elle aussi gagne, je crois, 50 à 100 000 XP en quelques secondes, voire hein, 2-3 secondes. Donc, voilà, c'est assez rentable. Donc, on va voir combien moi, je vais gagner. Donc, on va tirer sur la plateforme de la deuxième plateforme. Donc là, je gagne 10 000, 22 000, 32 000. Voilà, 32 000 sur la deuxième plateforme. Je tire sur la troisième. Je gagne 7 000, 11 000. 11 000 XP, c'est plutôt pas mal. Et là, je tire sur la quatrième plateforme. Oui, c'est ça, quatrième. Hop. Et là, je gagne 5, 10, 15, 16, 16 000. Donc, les trois plateformes m'ont rapporté une histoire de... 60 000 XP en quelques secondes, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt rentable. Donc est-ce que si je retire dessus, je regagne des XP? Non. Ah si. Ah bah si, carrément. Donc voilà, on peut continuer à tirer comme ça. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un élastique sur votre bouton tirer. Donc regardez laquelle plateforme vous rapporte le plus d'XP. Moi c'est la deuxième. Donc si je veux, je mets un élastique sur le bouton tirer de ma manette. Et là, bah, ça tirera en illimité. Et à toutes les 30 secondes, je pense, j'ai l'impression que toutes les 30 secondes, je pourrais prendre des XP. On va voir. Hein. On va attendre 30 secondes, voir si ça me redonne des XP. Si ça ne redonne pas des XP, ben, vous ne pourrez pas le faire en AFK. Donc on va tester, on ne sait pas. Lequel la deuxième ne me donne plus XP. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tirer sur la troisième plateforme pour voir. Ah donc là ça donne plus hein, j'ai l'impression. On va essayer la deuxième pour voir. C'est peut-être que la deuxième elle donne en illimité. Non, on va essayer la quatrième. Et celle-là non plus. Ouais donc la technique, bah, quoique, vraiment peut-être attendre 30 secondes. J'avais peut-être pas attendu 30 secondes. Je ne sais pas. Après 30 secondes pour gagner 4000 XP sans rien faire. Ah là ça donne 3000. Et là 7000.
Donc j'ai l'impression que toutes les 30 secondes, les trois plateformes peuvent vous donner des XP. Donc c'est possible de le faire en AFK. Vous restez ici et toutes les 30 secondes, ça vous donnera des XP. Après, je ne sais pas si ça peut être réellement rentable, mais bon, ça a testé. De toute façon, si jamais vous voulez le faire manuellement, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option, vous allez retourner à l'accueil et vous allez refaire le glitch tout simplement en illimité pour gagner des XP. Donc là, je vais tester. Donc normalement, je vais refaire le glitch et normalement, je vais pouvoir récupérer plusieurs XP. Donc on va lancer le jeu, voilà. On va aller récupérer des pistolets Chimera qui sont tout là-bas. Ok. Boum. Moi je prends les pistolets Chimera, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Hein. Vous pouvez prendre une grosse machine de mort, une batteuse, enfin une arme normale. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Moi je prends les pistolets Chimera parce que je trouve que ça fonctionne très très bien avec ça. Alors ensuite on crée 10 rampes à côté de la cabine téléphonique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite on va créer 4 sols. 1, 2, 3, 4 sols. On fait 2 petites danses ici. 2 émotes. Donc une. Voilà. Une deuxième. Voilà. On se retourne. Normalement un bouton est apparu. Voilà, on appuie sur le bouton. Et là on va tirer. Et normalement ça devrait me donner des XP. On va voir. Effectivement donc 7000. 7000, là elle m'en donne plus. Ah mince. C'est pour ça que j'enlève. C'est pour ça que j'enlève à chaque fois le grappin. Parce que. Bah en fait, je switch mal entre les armes. Et j'utilise le grappin sans faire exprès. On va essayer la troisième plateforme. Qui me rapporte 2000, 4000. Ok, et celle-ci. 3000, 6000. Donc voilà, donc soit vous attendez toutes les 30 secondes pour retirer dans les plateformes, ou soit ben, vous relancez la partie et vous refaites le glitch à chaque fois. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.